Bonjour, moi je m'appelle Pierre Couturier, puis je vais vous présenter une résolution de problème. Je vais à l'école de Claire, ben CHM de Claire, puis je vis au Nouveau-Brunswick. Puis ma résolution de problème, son nom c'est drôle de problème. C'est de deux personnes âgées, puis qui discutent tranquillement quand l'une dit à l'autre: il doit bien y avoir 100 corbeaux sur ce fil électrique. L'autre lui répond: pour qu'il y ait 100 corbeaux sur ce fil, il doit y en avoir autant qu'il y en a là, plus la moitié d'autant, plus le quart d'autant, plus 1. Puis, combien y avait-il de corbeaux sur ce fil? Puis, il faut qu'on trouve un nombre X, plus ce même nombre X-là, plus la moitié de ce nombre x-là, plus le quart de ce nombre x-là, plus 1. Ça veut dire x plus x plus la moitié d'x plus quart de x plus 1. Fait, j'ai essayé au hasard un chiffre, fait que j'ai essayé 20. 20 plus, ici là c'est autant, puis l'autant ça veut dire le même nombre, c'est égal, plus 20 plus la moitié de 20 c'est 10, plus 5, qui est le quart de 20, plus 1. J'ai tout additionné ça. 20 plus 20, ça fait 40. Plus 10, ça fait 50. Plus 5, ça fait 55. Puis plus 1, on est rendu à 56. Fait que c'est pas 56 parce qu'il faut que ça fasse 100. On sait que c'est pas 20. Puis il faut presque qu'on double le 20. Mais il ne faut pas qu'on le double complètement, sinon ça va faire 112, parce que 56 plus 56, ça fait 112. Là, j'ai essayé 38. 38 plus 38 plus la moitié de 38, c'est 19. Plus le quart de 38, on ne peut pas, parce que ça fait comme 9,5, puis on ne peut pas avoir un demi-corbeau sur le fil électrique. Fait que ça ne marche pas. Là, j'ai essayé 36. 36 plus 36. La moitié de 36, c'est 18. Plus le quart de 36, c'est 9. Plus 1. Là, 36 plus 36, ça fait 72. Plus 18, ça fait 90. Plus 9, on est rendu à 99. Plus 1, ça fait 100. La réponse finale, c'est avait 36 corbeaux. Merci de m'avoir écouté, puis à la prochaine.